Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vlog en Algérie, mais je vlog dans une nouvelle ville et que j'ai fait une fois. J'ai jamais fait en mode touristique et grâce à un homme qui est ici présent. Say hi. Hi, c'est quoi ton intro? Ah, je la connais. C'est hi guys. Oui. Bah du coup, grâce à moi, elle va faire Oran. Exactement. Et du coup, bah là, je vous ai vlogué. Grâce à moi, t'as fait Oran. Oui, grâce à lui, j'ai fait Oran. Elle a déjà fait, elle a oublié de tourner l'intro. Exactement, je voulais juste faire l'intro. Donc là, les gars, je vais vous laisser avec le vlog. On a eu quelques petites galères au début, mais après, ça s'est super bien passé. Et du coup, bah écoutez, kiffez bien le vlog comme j'ai kiffé, bah du coup, mon séjour ici. Bisous. Bon les gars, votre pote Kamel m'a emmené à une plage qui s'appelle, ça s'appelle comment? Eden Plage. Très très sympathique, très très sympa. Mais par contre les gars, l'humidité en Algérie, regardez mes cheveux. C'est une catastrophe, j'ai jamais eu des cheveux comme ça, genre. La cata, on sort, c'est par contre les gars, Mouren, elle a dormi 2 heures, elle a dormi tout le long. Depuis on est venu, elle a fait que dormir. Mais je fais que dormir, mais là on va rentrer à l'appart, je vais dormir. Je crois les gars, ce vlog à Oran, il y aura rien, il va durer genre 2 minutes. Ça sera à cause de mon sommeil, c'est pas de ma faute. Alger, Béjaïa a pris toute mon énergie, désolé. On va aller prendre notre Airbnb, on va. On se dit à tout à l'heure. J'espère. Oui, j'espère. Parce qu'ici ils aiment trop annuler les Airbnb à la dernière minute. Donc déjà, ce vlog, c'est vlog de galère. Recherche d'appartement. Ce matin, ouais, recherche d'appartement. Ce matin, Kamel a failli rater son vol. J'ai failli arriver à Oran Waharan toute seule. Je parle pas un mot d'arabe. On vient d'arriver, on a eu zéro problème. On a juste eu un problème de prix. C'était le double en fait. C'était le double. À l'enfer, le house. Oh ouais, mais c'est... Wouah! Wouah! Kamel, le cas à gérer. Kamel, le cas à gérer. Oh, the view. Mais... Oui, tu viens. Oui, allez, montre-nous. Là, on a la chambre. Le quai. Ah non, ouais, là, on a la salle foirée. Waouh, très sympa. Petit uno ici. Très sympathique. Petite salle à manger. C'est lourd. Génial. Après, moi, j'ai pas d'amis à Oran, donc t'invites tous tes amis. Tes amis seront les miens. Petite chambre pour deux personnes, c'est très très bien. Petit lit sympa. Et on va donner le lien du Airbnb. Hein. Là, allez, Kamel. Ah, sympa. Très sympathique. Oh, elle est bien grande. Elle est très sympa. Oh non. Par contre, les matelas, ils sont durs. Ils sont durs, comme les abdos de Kamel. Salle de bain, très très sympathique. Moi, j'ai vu autre chose. Mieux encore. J'ai vu un truc, les gars, mieux encore. Regardez ça. Une baignoire. J'adore les baignoires. Mais en fait, moi, mes abonnés, ils savent. J'adore les baignoires. Regardez, très sympathique, hein. Très sympa. Bon les gars, je suis très contente du Airbnb Kamel a géré. Il manque la cuisine même si on va jamais cuisiner. Wouah, elle est énorme. Elle est énorme. Mais en fait ici il faut... Oui. Regardez la view. On adore. Bon les amis, comment vous dire que je suis très contente. Là maintenant ce que je vais aller faire c'est me doucher. Faire une grosse sieste et ce soir on pourra sortir. En tout cas je vous prends avec moi. Suivez-moi sur Snap les gars. Tout se passe sur Snap et sur Insta. Insta Story et Snap, c'est là où vous allez tout voir. On est en première, c'est là où je mets des trucs que je mets pas en vlog parce que bah j'oublie. Mais en vrai j'adore. Très sympa. Deuxième jour à Oran, à Waharan. Waharan, Waharan. Et je suis avec Kamel, comme d'habitude. Heureusement qu'il est avec moi. Je suis sortie seule ce matin. Oui, ah oui. Mais ce matin, je suis sortie toute seule. Je suis partie faire mes ongles. N'hésitez pas à aller sur ma story Instagram à la une, Oran. Je vous ai mis bah, du coup le compte de la meuf. Franchement, très sympa. Genre. Je lui dis, je t'accompagne. Elle m'a dit non. En fait, Nouren, du coup, elle voulait aller toute seule. Je dis, Nouren, t'es à Oran, genre, je t'accompagne. Tu parles pas arabe. Elle me dit, Kamel, non. Tu m'accompagnes.
tu m'accompagnes, j'annule. Du coup, je dis, bah ok, je t'accompagne pas, du coup. Bah, tiens. Le malade, il voulait se réveiller à 8h du matin pour venir. Bah non, j'ai dit, genre, c'est pas grave, genre, je me réveille à 8h30, je t'accompagne, tu vas pas tout seul. Elle me dit, non, moi, je me débrouille, genre, j'ai l'habitude de voyager toute seule. Alors que 2 minutes après, elle me dit, moi, tu sais, j'aime pas trop être tout seul et tout. Du coup, je me suis dit, elle veut pas sortir toute seule, genre, je l'accompagne, ça me dérange pas. Elle me dit, non, tu m'accompagnes, j'annule. Bah, elle m'a agressé. Ouais, là, j'agresse les gens. Non, mais en vrai, c'est bon. Il veut m'accompagner pour regarder les angles, genre c'est bon, je... Moi je vais vous montrer un peu Oran, très sympa. En vrai c'est bien Oran. Ma mission pour l'année prochaine, c'est d'emmener Kamel à Abjaya. Il m'a ramené à Oran, il m'a fait visiter votre ville. On kiffe, on adore. Et l'année prochaine, ça sera ma mission de l'emmener à Abjaya. Après tu vas nous dire, je préfère Béjaïa ou Oran. On va avoir un avis honnête parce que moi j'avoue, je suis pas très objective. Là on va à la plage et je vous prends avec moi. A toutes. La playlist, c'est ma playlist depuis tout à l'heure. Incroyable playlist. C'est vraiment ma playlist. Il y a du Megan, il y a tout l'afro. On était à la plage et le mec, je sais pas, je crois qu'il nous a reconnu et tout. Il nous a ramené à la piscine en voiture. C'est trop bien. Non, en vrai, venu ici. Il nous a dit passer par les rochers. Il nous a dit non, je passe pas. Il voulait que je fasse ouais, de l'escalade. Ça va pas ou quoi? Une randonnée. J'ai dit non. Il m'a dit bah ok, je t'emmène en voiture. J'ai dit ok. Petite bouffe, petit beach club. Bon les gars, on a fini du coup le beach club. Je suis désolée si j'ai pas trop filmé. En fait, j'aime pas filmer quand il y a des gens. Pas moi, mais genre les lieux, etc. Parce qu'en fait, j'aime pas quand il y a des gens sur mes vlogs. Et après, qu'on vienne se plaindre, qu'on dise oui, j'apparais, est-ce que tu peux supprimer, etc., etc. Donc j'évite un max, genre. Là, c'est cool parce que Kamel m'a amené à un endroit que je voulais faire depuis tellement longtemps. Et ça s'appelle le Santa Cruz. Moi, je vous dis la vérité, je sais pas trop quoi dire vu que je suis pas oranaise. Mais Kamel, si. Je suis pas oranais non plus, les gars. Pas orané, mais. Ouais, mais t'es à côté, c'est pour bon, une heure. Je suis de Sidi Blabes, mais franchement, sinon, on est venu en Fort Santa Cruz. Et puis voilà. Et comment ton séjour à Oranwen? Bah écoute, j'ai grave kiffé et je kiffe toujours regarder cette view. Elle a grave kiffé, mais incroyable, elle fait que parler de Béjaïa depuis qu'elle est là. En fait, c'est pas ça. C'est que j'avoue, je compare un peu parce que je suis pas objective. Ouais. Mais c'est très très beau, j'adore. Mais j'avoue, Béjaïa. Point positif. Béjaïa. Les points positifs d'Oran? Ouais. Les points positifs, belle plage, okay. Bonne ambiance. Santa Cruz. Ouais. quoi aussi. J'ai kiffé bah, du coup les trucs qu'il y a à faire, bah, du coup les beach clubs, etc. Ouais. La plage privée, très très sympa. Et ce soir, on va en soirée. Ce soir et demain, je vais vous dire si les soirées en valent le coup. Mais apparemment, Oran. Déjà, l'ambiance au beach club était sympa. L'ambiance au beach club était très très cool. Ouais. La clientèle était très très cool. La bouffe était très très cool. Non, franchement, j'ai kiffé ça, Oran. Là, faut juste faire Béjaïa l'année prochaine. Noël me l'a promis. Kamel, promis. L'année prochaine, je t'emmène à Béjaïa. Ok. Sûr et certain. Parfait. Deal, c'est filmé. Vous allez voir ça dans les 25 Days with Nouren, saison 3. Saison 3. Bah, du coup, il y aura une saison 3. Bah, tu t'es engagé. Il y aura une saison 3, oui, c'est okay. Sûr. Ok, bah, t'es sûr que tu vas faire une saison 3 Oui. Attention, tu regrettes, hein. Non, non, il faut que je la c'est passe. Filmé. Bonjour les gars. New day in Oran. Je suis épuisée, exténuée. Hier soir, on est sortis. C'est la première fois que je sors du coup à Oran. C'était très très sympathique. On était avec d'autres influenceurs algériens et tout. C'était cool. Bah, du coup, on est en direction de Disco Maghreb. Je sais pas si vous avez un peu suivi bah, du coup ce que DJ Snake a fait. Je vais voir la petite affiche qu'il a posée à Oran. Ensuite, on va aller voir l'ancienne maison de Yves Saint Laurent. Donc, il habitait en Algérie. Les amis, je viens de voir un truc par la fenêtre là. On s'est arrêté direct, je suis sorti de la voiture. Et meilleur, un des meilleurs fruits du monde. C'est vrai. Ouais, je suis sûr. Tu sais que nous, on a ça à Béjaïa, genre devant la maison. Ah ouais. On va les cueillir et tout. Mon grand-père, il nous passait H24. Je sais pas si vous connaissez, c'est des figues de barbarie. C'est un des meilleurs fruits au monde. J'ai jamais vu ça en France. Je vais vous montrer. Best fruit. J'adore. Kamel, je vais te faire goûter. Vas-y. Tu vas découvrir ce fruit. Bah, qui il pousse à Béjaïa. Enfin, il y en a plein à Béjaïa en Kifa. Il a dit, il pousse à Béjaïa. Voilà, c'est vrai. Voilà, il y en a à côté de chez moi. Merci. Trop gentil, on passe les meilleurs. Pourquoi t'as jamais goûté ça? Je sais pas. Parce que. Je vois ça tout le temps en plus. Parce que c'est pas kabyle.
Bah non, ça se vend partout. Ah ouais. Moi, j'ai jamais vu. Je vous jure, hein, les vacances en Algérie, wallah, c'est trop bien. Wallah, c'est trop bien. C'est ça, Kamel, il vient tout le temps ici, il reste un mois, deux mois. Ouais, de ouf. Moi, j'ai pas pris de billet de retour. Ouais, c'est un ouf. Allez, reste une semaine. Moi, je rentre ce soir. Comment elle fait? Allez, go, halas. Lui donner une mûre. Ok, on lui donne ça. C'est tiens. Bon. Goûte. And tell us. Alors? Ça va? Quoi, comment ça, ça va? Ça ressemble aux figues. Ah, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Ça c'est mieux même que les figues. De... Non, c'est mieux. Non, je prends pas les figues. Je sais pas si ça existe ça en France, hein. Et les amis, achetez ça. Bon les gars, retour à l'appartement et on est venu prendre nos valises et partir, c'est fini. Algeria is finished for me, the end of the trip. Franchement j'étais trop trop contente de venir à Oran et surtout d'être avec Kamel parce que bah c'est un vrai de vrai, lui il est de Bel Abbès mais voilà c'est à côté donc il connaît très très bien. Et pour ce qui est de l'appartement, j'ai trop kiffé et tout mais vas-y, dommage à l'accueil, il demande la carte d'identité des meufs et pas des mecs, ça c'est très problématique. Donc un peu relou, donc si un jour vous venez, vous prenez des appartes en Algérie, on va vous demander votre carte d'identité, juste pour les filles. On quitte l'aventure, on leur dit ce qui s'est passé avec la carte. Quelle carte de... La carte d'identité. Non, juste dis que si un jour ils viennent... Vous dire, hein. Juste dis, si un jour ils viennent et les filles, préparez vos cartes d'identité à l'entrée. Que les filles, pas les mecs. Balance. Voilà. Ok, lui son sac là. J'espère qu'il n'y a pas des trucs... Il a pas peur qu'on soit des voleurs. Hein. Bilal, si tu vois cette vidéo, j'ai ton sac. Est-ce que tu as un truc à dire, un dernier mot? Franchement, c'est super cool. Les gars, Nouren, elle est super bonne à vivre. Ah ouais, merci. Moi, ouais. T'as dit, il me regarde super mal. Tu le vises. Elle est ponctuelle. Ouais, je te jure, elle est ponctuelle. Tu lui demandes de se réveiller à 9h30. Elle se réveille à 9h30. Nouren, il faut qu'on voyage ensemble. Grave, 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 grave. Je suis morte. Ouais, en vrai, j'avoue, je suis une des meilleures personnes avec qui on peut voyager. Sans vouloir me jeter des fleurs. Hein. Non, en ça, je suis très très contente d'être venue en Algérie. C'était pas du tout prévu. Demain, je devais aller à Mykonos. Ma mère est venue en Algérie. Mon cousin aussi. Mes soeurs aussi. Je me suis dit, ça et quoi, je prends mon billet. J'annule Mykonos. Et je vais à Alger et tout. C'était trop trop cool. Merci les gars. Merci à tous les abonnés que j'ai rencontrés en Algérie. Que ce soit Oran, Béjaïa, Alger. C'est les meilleurs abonnés du monde. Genre, je vous promets. Louharna, dis-le j'aime. C'est bon. C'est quoi ça, Louharna? J'aime ou le commentaire. Bref, le commandeur, j'ai compris. Waharanana, ça veut dire quoi? Waharanana. Waharanana. Le commentaire. Dis Waharanana. Ok, les gens de Oran, laissez un commentaire. Et maintenant, je parle arabe, moi. Franchement, vous êtes géniaux, les abonnés algériens. En Algérie, c'est les meilleurs du monde. Je veux rien savoir. Genre, vraiment. Bref, guys, cœur sur vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Almost make me fall in love, yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight.